L'arbre que vous voyez ici, juste à côté de moi, est appelé en français le karité. Et le nom scientifique, je vais vous en donner deux, Vitellaria paradoxa ou bien le Butyrospermum parki. Alors, c'est un arbre qui est reconnaissable d'abord par son feuillage assez sombre, c'est un vert sombre, un vert noirâtre. On peut voir un pied un peu plus en arrière là-bas, au fond. Et un peu plus à droite aussi, un autre pied par là. Un feuillage vert sombre. Et l'arbre ne monte pas en général très très haut. C'est disons entre 6 et 9 mètres de haut, donc il est considéré comme un arbre trapu. Il peut très bien avancer en âge, en gardant une taille, une hauteur assez modeste. Mais c'est un arbre qui est protégé dans la zone de savane, à cause de son utilité, on va dire, exceptionnelle. Ces fruits font que l'arbre est protégé, parce que c'est le fruit qui donne le fameux beurre de karité, et qui est utilisé dans les chocolats, pour la cuisine, mais aussi en cosmétique, mélangé à des pommades, ainsi de suite. Donc, à cause de cette grande utilité, l'arbre est protégé dans la zone de savane, et on le rencontre assez fréquemment d'ailleurs, depuis le Sénégal, en allant vers le Cameroun, jusqu'en Zambie. Donc dans toute cette zone, on rencontre facilement le karité. Alors, on peut le reconnaître donc, disais-je, grâce à ce feuillage assez abondant et sombre, mais aussi grâce à son tronc, qui est un tronc de couleur noirâtre, avec une écorce assez épaisse, nous disons écorce épaisse parce que la profondeur des écailles peut atteindre facilement 2 à 3 cm. Donc c'est assez crevassé, on peut voir là. On a même comparé dans son écorce là à une peau de crocodile. Donc ça c'est des indices qui permettent de reconnaître l'arbre. Et en général, il va perdre ses feuilles, disons, dans cette zone de savane où nous sommes, en saison sèche, entre février jusqu'à avril, au moment justement où les fleurs arrivent. Donc, quand les fleurs arrivent, en même temps, l'arbre se décoiffe et laisse disparaître, laisse tomber ses feuilles. Autre chose qu'on peut remarquer, c'est que toutes les parties de l'arbre contiennent du latex. Quand on taille un tout petit peu, par exemple, l'écorce de cette branche relativement jeune, en attendant un tout petit peu, on voit du latex blanc qui sort. L'écorce des jeunes troncs est plutôt d'une couleur grise claire, tandis que quand vous enlevez la peau, la fine pellicule qui est en haut, eh bien, on tombe sur une chair d'écorce qui est plutôt rougeâtre, et dans ça se trouve mélangé un latex blanc. Alors, donc, ça, ce sont des signes qui permettent de bien reconnaître, déjà, à partir de son tronc, cet arbre qu'est le Butyrospermum parki. Quand on regarde, on prend par exemple un rameau, ici, je prends ce rameau. Alors, peut-être on peut faire un gros plan là-dessus. Mais qu'est-ce qu'on remarque? On prend le rameau, on voit que les feuilles n'apparaissent pas, en fait, distribué le long de la tige de rameau. On voit c'est dégarni là pratiquement. Bon, on voit des anciens emplacements de pétioles de feuilles, mais finalement, on les retrouve surtout aux extrémités des rameaux. Les feuilles sont groupées aux extrémités des rameaux. Alors ça, c'est assez remarquable avec le karité. On parle de feuilles qui poussent en couronne. Ça se regroupe à un seul endroit. Et on remarque quoi? Que les pétioles sont assez longs finalement. Sur celui-là en particulier, je mesure combien? Jusqu'à 6 cm de longueur de pétiole, encore là. Jusqu'à combien? Presque 6 cm aussi. Donc 6 cm de longueur de pétiole. Bon, on va avoir des chiffres autour de ça, mais un peu partout, on remarque que c'est des pétioles assez longs. On peut remarquer aussi que les feuilles, la partie limbe même de la feuille est assez longue aussi, avec des bordures ondulées, là, on peut voir. La partie papyracée de la feuille est ondulée. Et la longueur de cette feuille pleinement développée va jusqu'à combien? Jusqu'à environ 19 cm
Et je présume que certaines feuilles peuvent aller jusqu'à 20 cm. Et la face supérieure est d'un vert sombre, c'est ça qui frappe l'œil, hein. Donc c'est un excellent arbre d'ombrage aussi, tandis qu'au dos, c'est d'un vert, on va dire, couleur naturelle, un peu plus clair. Alors, les nervures, la nervure principale est très très visible, les secondaires le sont un peu moins sur la face supérieure, tandis qu'à la face inférieure, la nervure principale est très imprimée en relief, tandis que les nervures secondaires deviennent vraiment évanescentes. On peut tenter de les compter, hein. Il y en a beaucoup, ces nervures. Hein, si je prends là, je vais compter par paire. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. On va dire une quarantaine de nervures, de paires de nervures secondaires, ce qui fait beaucoup quand même, hein, pour cette plante. Alors, bien entendu, nous avons dit que dans toutes les parties de la feuille, il y a du latex blanc. Si je casse ici, par exemple, je peux voir du latex qui sort, hein, d'une manière très nette, hein, du bout de pétiole. Toujours sur cette feuille, pleinement développée, un peu broutée, il est vrai, là, par un insecte, hein, je vais donner la largeur, elle fait de l'ordre de quoi? 6 cm de largeur. Donc il y a 6 cm de largeur ici. Et donc au fur et à mesure du développement de la plante, on va à un moment donné assister à l'apparition d'une inflorescence axillaire sous forme de cyme, donc, hein, axillaire, c'est-à-dire à l'endroit même où les feuilles sont groupées. Et c'est en ce moment que la plante va choisir de se débarrasser de ses feuilles. Donc les fleurs viennent, mais en même temps, on va perdre les feuilles. Pour décrire complètement la fleur de Vitellaria paradoxa ou Bityrus spermum parchi, je choisis ce rameau. On voit, là, il y a un ensemble de boutons de fleurs, là, hein, aussi là, et encore là. On voit que ça pousse tout net, hein, à l'extrémité, au sommet même des rameaux. Donc, ce sont des bouquets terminaux, ou encore on peut dire placés en couronne, hein, vraiment de manière, c'est comme une sorte de chapeau disposé à l'extrémité des rameaux de tiges. Et donc, ces boutons, il y en a beaucoup en fait. Quand on compte sur certaines extrémités de rameaux, il y en a une centaine au moins. Et là, voilà, ils ont commencé à s'épanouir et à s'ouvrir donc. Et là, on voit si je prends cet élément, ce bouton qui s'est vraiment ouvert, on peut compter là, hein, déjà le nombre de pétales à l'intérieur, avant de parler même des sépales à la base. Là, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Hein, on voit donc 8 pétales. Et quand on renverse, disons le bouton de fleur qui est là. Bon, peut-être on peut regarder déjà le pédoncule, il fait combien de long, hein. Le pédoncule fait à peu près 2 cm de long. Et la largeur de la fleur ouverte fait environ 16 mm, c'est-à-dire 1 cm 6 mm. Hein. Et quand on regarde les éléments à la base, les éléments de, disons, de. Les éléments de sépales, hein. Oups, voilà ce rameau qui s'est cassé ici. En fait, c'est très cassant. On va récupérer carrément celui-là. Et là, on regarde. On peut compter à la base, hein. Je pense qu'il y a autant d'éléments de sépales que de pétales, hein. On en a compté 8 là tout à l'heure pour les pétales. Et là, les sépales, on les voit à la base ici, 1, 2, 3, 4, hein, il y en a 4 aussi de l'autre côté, ça fait 8. Alors, donc, quand on regarde à l'intérieur, la couleur est plutôt jaune, un peu blanchâtre, hein, et on voit les étamines, il n'y en a pas trop, hein, elle est là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et au milieu, il y a le pistil, bien sûr, c'est-à-dire l'élément femelle de la fleur, qui va être fécondé et qui va donner un peu plus tard les fruits. Alors donc, en fait,
C'est les fleurs, quand ça vient comme ça, beaucoup, beaucoup, énorme, énormément en fait sur l'arbre, on sent ce parfum, c'est très parfumé, hein, qui est agréable, qui se répand dans l'air. Et donc en ce moment, on sait que le karité est vraiment en fleurs. Et les abeilles sont en train de tourner un peu partout autour. Ici, maintenant, nous sommes en début de saison de pluie. Hein. La saison de pluie s'est quasiment installée. On peut voir là, autour de nous, hein, les herbes ont commencé à pousser. C'est en ce moment, donc, en général, dans la zone tropicale de savane, hein, mois de juin, juillet, que Vitellaria paradoxa, c'est-à-dire le karité, va commencer à porter ses fruits. Voilà, là, les couverts de fruits. Surtout, les fruits apparaissent en grappe. Hein. Vous voyez là, là par exemple, ça apparaît pleinement en grappe, hein, aux extrémités des rameaux. Donc, à côté, juste à côté des, disons, des couronnes de feuilles, hein, qui terminent les rameaux. Alors, on voit que la couleur est verdâtre. Ça, c'est pas tout à fait mûr encore. Mais à maturité, la couleur ne change pas tellement. Hein. Certains vont virer un tout petit peu au vert jaunâtre, mais en général, ça reste quand même assez vert. Et là, si je prends ce rameau, hein, je peux tirer. Alors, les branches sont assez fragiles. Si je tire, et on peut voir là, je peux couper ce petit rameau avec le fruit pour essayer d'apprécier donc surtout la longueur du pédoncule qui porte le fruit. On peut voir là, ça a une longueur de. Celui-là, à peu près 1,5, 1,5 cm. Mais parfois, c'est plus long. Hein. Il y en a qui peuvent aller jusqu'à 3 cm. Alors, le fruit lui-même, on voit souvent donc la partie qui est du côté du rameau va être un peu plus claire, tandis que l'autre semble un tout petit peu poussiéreux, hein, avec une couleur, marron. Hein. En réalité, c'est des petits poils. Hein. C'est comme si c'est pubescent, si je frotte un tout petit peu, vous voyez là, hein, ça s'enlève. C'est comme aussi si il y a de la poussière qui s'est déposée sur l'extrémité. Alors je tiens là justement un fruit qui est relativement mûr et plus gros, et tandis que celui-là que je viens de couper n'est pas tout à fait à point. Et on voit la taille, hein, c'est presque 2 fois plus petit. Mais quelque chose d'assez remarquable aussi, c'est que là, si je perce un tout petit peu la peau, hein, l'enveloppe, on voit du latex blanc qui sort là. Hein. Latex blanc qui recouvre donc une chair plus ou moins, une pulpe plus ou moins jaunâtre. Alors, si je continue à enlever cette pulpe, qu'est-ce que je vois? Je veux voir une noix à l'intérieur qui est d'une couleur blanchâtre, parce qu'immature dans le cas présent. Sinon, il va virer au marron. On va voir tout à l'heure pour le fruit qui est bien mûr. Alors, je vais prendre le fruit mûr là et donner ses dimensions. On voit que ce sont quand même des fruits ovoïdes. Parfois, c'est globuleux, plus ou moins sphérique. Et la longueur ici, c'est 5 cm hein, sur 4 cm. Donc, 4 à 5 cm pour les très bons fruits. Et là, déjà, si on regarde la peau, on voit qu'il y a très peu de latex en fait. Il n'y en a même pas parce que c'est mûr. Et la pulpe, on voit bien. On voit la différence entre les deux pulpes. Hein, ici, là, c'est jaune blanchâtre, tandis que là, c'est tend vraiment vers le jaune. Hein, c'est mûr. Et en ce moment, ceci est sucré. Cette pulpe est très sucrée et très agréable à manger. Et quand on gratte un tout petit peu, on voit quoi? Une noix, justement, hein, qui est une couleur, vous voyez là, cette fois-ci, au lieu de la couleur blanchâtre, là, c'est couleur marron cette fois-ci, avec des cils parfois noirâtres. Et cette noix contient une amande, justement, qui contient le fameux beurre de karité. C'est ça qui est travaillé après par les dames qui récoltent donc ces graines et qui les font travailler selon une procédure hein, pour extraire de l'amande qui est à l'intérieur de cette coque un peu dure, hein, qui contient, la coque contient également hein, du latex. Hein. Ils vont extraire donc un liquide plus ou moins concentré qui va servir pour la fabrication du beurre de karité. Alors, on peut expliquer un peu plus en détail hein, la procédure de fabrication du beurre de karité. Hein. Donc, les arbres qui sont là, le karité en particulier, donc quand le fruit va venir
à maturité, eh bien, ça peut tomber tout simplement quand ça se ramollit, ou tout simplement les enfants vont passer, secouer, beaucoup de fruits qui vont tomber, ou même, en tout cas, toutes les personnes qui sont intéressées par la récolte. Et donc, on récupère, surtout les dames, qui marchent généralement dans la forêt, vont récupérer ce fruit mûr. Et quand elles vont récupérer ça beaucoup, elles vont venir les rassembler. Et en ce moment, eh bien, les gens consomment par la bouche ce qu'ils ont à consommer. Et il y a d'autres qu'on laisse tout simplement. L'étape suivante est que tout simplement, on doit enlever la chair. Alors, soit c'est enlevé par la bouche, soit c'est... ça s'enlève parce que ça traîne là un peu. Et donc, on obtient ces noix. Une fois qu'on a ces noix, bien mûres, eh bien, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont faire bouillir cette noix avec la coque et l'amande à l'intérieur. On dit que la coque est assez dure. Hein? C'est assez dur. Hein? Donc, elles récupèrent ça, elles font bouillir. Une fois qu'elles font elles vont faire bouillir, eh bien, elles vont faire ensuite sécher, donc plusieurs noix vont faire sécher. Et quand c'est sec, quand vous prenez, vous secouez l'amande, vous entendez à l'intérieur, clou, 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 vous entendez, vous allez voir que l'amande s'est détachée complètement de la coque. Et une fois qu'elles ont récupéré donc l'amande à l'intérieur, alors on ne pourra pas casser ici pour montrer cette amande, mais c'est un peu strié, eh bien, amande séchée, elles vont amener ça au moulin, par exemple, pour faire moudre, ou bien utiliser différents moyens pour moudre sur place, des cailloux ou encore des mortiers, pour moudre ça. Et donc la pâte qui est obtenue, ils vont ramener ça et vont poser placer ça dans de l'eau, hein, sur une marmite, et font bouillir. Et donc une fois qu'elles font bouillir ça, eh bien, la solution qu'elles obtiennent, elles vont battre. Cette solution-là, vont battre avec la main, avec des instruments en bois. Et en ce moment, il y a une masse plus ou moins blanchâtre qui va commencer à surnager sur cette solution. Donc en faisant battre ça, et cette masse plus ou moins blanchâtre, donc plus on bat, plus on peut recueillir de cette solution visqueuse. Et donc elles vont ramasser ça avec des récipients pour mettre dans une autre marmite. Et cette fois-ci, Donc, marmite, on va mettre sur le feu, et quand on chauffe, eh bien, il y a l'huile, le beurre, en fait, qui va commencer à surnager. Et on va donc ramasser ce beurre. Une fois que c'est refroidi, ça devient ce beurre blanchâtre, qui est le beurre de qualité, tellement apprécié en cosmétique. Évidemment, pour détacher la coque, comme on l'a dit, dans l'étape détachement de la coque avec l'amande, certains vont laisser... Les fruits lui-même pourrir sous les pieds des arbres. Et ce pourrissement va amener plus tard une odeur dans le beurre. Ce qui fait que ça ne va pas donner de beurre, vraiment d'une senteur, d'une odeur agréable. Alors qu'il y a des gens qui ont maîtrisé le processus de fabrication et qui vont obtenir du beurre blanc sans pratiquement d'odeur. Là, je me suis procuré un pot de beurre de qualité. Vous voyez là, du beurre très pur. Ça, c'est le produit final qu'on obtient après le processus de fabrication, enfin de transformation de l'amande, hein, du fruit. Celui-là est pur, hein? C'est assez consistant, mais si on laisse au soleil ou on chauffe un peu, il va fondre. Hein? Et la température de fusion n'est pas très élevée. Hein? Le beurre de karité est tellement apprécié dans toute l'Afrique intertropicale qu'il a été utilisé dans le passé et continue encore à être abondamment utilisé, par exemple pour faire la cuisine. Il n'est pas rare qu'en allant dans un village aujourd'hui, on trouve encore des galettes de petit mil, des galettes de maïs que les femmes font frire dans du beurre de karité. Et on prépare la sauce de riz, la sauce de thon, avec ce fameux beurre de karité. Il a aussi des applications multiples en termes de cosmétiques. Les femmes ont utilisé ça dans le passé et continuent à l'utiliser pour enduire leurs cheveux, pour les rendre plus souples, plus brillants. Elles appliquent sur leur peau, n'est-ce pas? Je prends un peu ici, on applique sur la peau.
On applique sur la peau, on frotte, et ça pénètre, ça assouplit la peau. Ça diminue les rides. Et tout ça, sur des siècles et des siècles, ça a été utilisé en Afrique. Et le beurre de karité est utilisé aussi, a été utilisé par nos anciens pour soigner des brûlures, des foulures, des entorses, hein, pour soigner des maladies respiratoires, ainsi de suite. Actuellement, on peut dire qu'il y a eu quand même pas mal d'études sur le beurre de karité. Et en regardant un certain nombre de ces études, on peut remarquer deux propriétés importantes qui sont mentionnées, entre autres. C'est, la première propriété, c'est sa propriété à pénétrer en profondeur la peau humaine. Ça a une propriété pénétrative importante et on a trouvé que cela était essentiellement dû à la présence de matière insaponifiable. Alors ce mot un peu savant, matière insaponifiable, ça veut dire tout simplement des matières qui, si on veut transformer le beurre de karité en savon, restent quasiment inchangées. Ces matières insaponifiables, il y en a deux groupes, mais c'est surtout les triterpènes d'alcool, hein, qui sont à 60 à 70% dans cette partie insaponifiable, qui donne au beurre de karité cette propriété pénétrante. Vous savez que l'alcool, ça pénètre, hein, donc il y a des triterpènes d'alcool. Le deuxième groupe de matière qui donne sa seconde propriété au beurre de karité, ce sont les allantoïnes, un nom un peu savant aussi, mais ce sont des matières insaponifiables qui, selon certaines études, procurent justement au beurre de karité sa propriété anti-inflammatoire. Ça aussi, c'était, disons, empiriquement connu par nos anciens. Ils savent que si on applique le beurre de karité sur une entorse, sur une foulure, ça permet, au bout de quelques jours, à la personne de récupérer. Les ligaments inflammés vont se guérir. Alors, donc, basé sur ces deux propriétés importantes, il y a des usages qui se sont développés, soit empiriquement, soit en connaissance de cause. Et donc, la première propriété, hein, c'est-à-dire la capacité à pénétrer sa propriété, disons, transcutanée, a servi pour l'utilisation du beurre de karité, pour, comme nous avons dit tout à l'heure, hein, pour la cosmétique. On applique pour assouplir la peau, pour diminuer les rides, pour assouplir les cheveux. Mais aussi, sachant ou ne sachant pas cela, on a mélangé le beurre de karité avec beaucoup, beaucoup de produits de la phytothérapie. Par exemple, en faisant des décoctions, recueillant le jus qui a recueilli les matières, les principes actifs, des herbes, des feuilles. On mélange, on fait fondre le beurre de karité, on mélange avec ça, on fait bouillir jusqu'à ce que toute l'eau s'évapore et le principe actif reste piégé à l'intérieur du beurre de karité. On vient appliquer ça sur la peau, sur la poitrine des enfants, hein, en frottant, en massant pour lutter contre les bronchites, c'est-à-dire l'inflammation des bronches qui vont entraîner la toux. Hein, par expérience, on sait très bien qu'effectivement, si on applique le beurre de karité, qui n'est pas un anti-infectieux, hein, ce n'est pas un antibiotique, mais les inflammations, ça les calme. Alors donc, ça s'utilise très bien contre ça. On a utilisé, des études montrent que c'est plus efficace, par exemple, pour déboucher les narines que beaucoup de produits conventionnels qu'on trouve sur les marchés, ou même parfois en pharmacie. Et le beurre de karité a été utilisé contre les inflammations des muqueuses nasales, hein, de la bouche, etc., etc. Et le beurre de karité a été utilisé et continue à être utilisé dans beaucoup d'autres cas. On a prêté au beurre de karité des propriétés quasi joker. Ça marche dans beaucoup de cas, mais il faut retenir que c'est un anti-inflammatoire et que ça permet aussi de transporter certaines substances que l'on veut faire passer par la peau. Alors, c'est pas pour rien en fait que le karité est un arbre protégé. Et donc,
que l'on devrait tout faire pour assurer la reproduction. Et aussi bizarre que cela puisse paraître, si on regarde un tout petit peu dans les environs, malgré le fait qu'il y a beaucoup de fruits et donc de noix qui tombent de l'arbre, hein, on ne voit pas de jeunes plants en fait. Tout ce qu'on voit là, c'est, on va dire, c'est plus âgé de 10 ans, hein, tout ce qu'on voit. Et donc ça, ça pose quand même quelques questions. Est-ce que nous ne sommes pas en train d'exploiter tellement l'arbre que finalement, on ne lui donne pas la possibilité de se reproduire, de se régénérer naturellement dans la forêt de savane? Ou bien, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt, comme nous l'encourageons dans nos vidéos, saisir toute occasion lorsqu'on a un terrain, hein, que l'on veut exploiter en agriculture, réserver aussi des espaces pour faire carrément des bosquets ou même des petites forêts que l'on va entretenir avec différentes essences, dont le karité, hein, que nous voyons ici, qui est un arbre d'une utilité tellement importante. Nous avons mentionné certaines utilités déjà du fruit, mais il faut reconnaître que le bois lui-même est un bois, un très bon bois, un excellent bois qui résiste aux termites. Alors, ce n'est pas tous les arbres que l'on retrouve dans la forêt tropicale de savane, hein, qui sont dans cette catégorie. Ça résiste très bien aux termites. Donc, ça peut être utilisé dans la construction, par exemple, dans la menuiserie, y compris dans nos habitats traditionnels, notamment les cases, hein, pour faire certains supports de hangars où les gens peuvent, n'est-ce pas, en recouvrant donc de ces chaumes-là, hein, nous avons déjà parlé dans une autre vidéo des chaumes que l'on fait avec, par exemple, les graminées que l'on trouve dans la forêt ici, tels que Cymbopogon giganteus. Eh bien, ce bois est utilisé donc dans ces cadres-là. Mais il y a encore un autre détail important, c'est que le karité, ses fleurs sont très appréciées par les abeilles. Et quand on fait de l'apiculture dans un environnement qui est riche en karité, en bituresperme, parquis, eh bien, le miel qu'on obtient est un miel d'une qualité extraordinaire, qui se vend très bien, non seulement sur les marchés locaux, mais aussi à l'extérieur. Voilà pourquoi donc, il convient de faire tout ce qu'on peut pour préserver cet arbre dans notre environnement. Maintenant, nous allons, comme dans chacune de nos vidéos, nous allons donner les noms, certains noms locaux en tout cas, dans les langues locales. Au Mali, par exemple, les Malinkés vont appeler, ou les Bambara d'ailleurs, vont appeler cet arbre Si. Si. Et ça va être la même chose pour les Bambara ou du moins c'est les Dioula du Burkina Faso, hein, qui vont l'appeler aussi Si. Et au Mali toujours, les Dogons vont l'appeler Menjougou, hein, ou bien Migé. Tandis que le Peul vont l'appeler Karédé ou Karédjé. Karédjé. Si on part au Burkina, les Mossi vont l'appeler Tanga. Tanga. Et côté du Sénégal, disons, les Wolofs vont l'appeler Karité, tout simplement. Tandis que les Peuls tout couleur là-bas vont l'appeler Karé ou Karédé. Karédé ou bien Karé. Alors en Côte d'Ivoire, les Baoulés vont l'appeler Gwenwaka. Gwenwaka. Hein? Maintenant, du côté du Bénin, eh bien, en langue Bariba, ils vont l'appeler Sombou. Ou bien en Nadia, ils vont l'appeler Ayoti. Ayoti. Au Togo, eh bien, en Niue, ils vont l'appeler Ayokumi. Ayokumi. Tandis que toujours au Togo, hein, dans la langue Akasselem, ils vont l'appeler Bossa. Bossa. Au Niger, en Djerma, ils vont l'appeler Boulanga. En Hausa, Kadei. Kadei. Les Peuls là-bas vont l'appeler Karehi. Karehi. Et donc, en Guinée, si on regarde les Peuls de la Guinée, vont l'appeler Kare. Et les Malinkés là-bas vont l'appeler Sié. Sié. Donc ça, c'est un peu tiré, hein, de la documentation, quelques noms dans les langues locales.